Ce n'est pas très compliqué. L'excès de gentillesse engendre le mépris. L'excès de présence engendre le manque de respect. L'excès d'amitié, de compassion engendre le manque de considération. Tout ce qu'il y a en abondance, peu à peu, perd sa valeur. Vous savez, dans la vie, il faut être bien. Il faut bien me comprendre, d'accord? L'excès de gentillesse engendre le mépris. L'excès de respect engendre le mépris. L'excès de présence, de compassion engendre le mépris. L'excès d'aide engendre le mépris. Tout doit être bien dosé dans la vie. Il faut être bon. Il faut être sympathique. Il faut être là pour les autres. Il faut aider quand on peut. Mais tout excès nuit. Ce n'est pas moi qui l'invente. Quand vous êtes toujours celui qui accepte le manque de respect au nom de la paix, on vous considère comme celui à qui on peut facilement manquer de respect. Les gens ne vous manquent pas de respect parce qu'ils vous ont simplement manqué de respect. La plupart des gens vous manquent de respect à répétition parce qu'ils ont compris qu'en vous manquant de respect, il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réprimande, il n'y a pas de répercussions. Tout excès nuit. Imaginez-vous dans une société où tout le monde vend du pain. Vous vendez du pain, votre voisin vend du pain, la voisine vend du pain, l'autre femme d'à côté vend aussi du pain. Tout le monde dans le quartier vend le pain. Qu'est-ce qui se passe? Le prix du pain baisse. Le prix du pain chute. Parce qu'il y en a en abondance. Mais s'il n'y a que deux personnes dans un quartier de 100 personnes qui vendent le pain, ou une personne, le prix monte. Voilà pourquoi, de part et d'autre, quand on parle des télécommunications, par exemple, on a besoin d'avoir plusieurs sociétés de télécommunications pour avoir des prix équilibrés. Quand il y a beaucoup trop d'une chose, sa valeur baisse. Et cela va dans beaucoup de choses dans la vie. L'excès de respect vis-à-vis de certaines personnes engendre le mépris et le manque de respect. Si on vous connaît comme une personne extrêmement respectueuse qui ne réclame jamais ses droits, on vous manquera de respect. On vous prend votre argent, on ne vous rembourse pas à temps, vous ne réagissez pas, ne soyez pas étonné qu'on le fasse encore une fois. On vous demande quelque chose auquel vous êtes censé gagner de bénéfices, on ne vous donne pas des bénéfices, vous donnant des explications à dormir debout, vous ne réagissez pas, ne soyez pas étonné qu'on le fasse encore une fois de nouveau. Tout excès nuit. Trop de votre présence nuit. Ça engendre la diminution de la qualité de votre présence. Si vous êtes celui qui va toujours chez les gens, lundi vous êtes là, mardi vous êtes là, mercredi vous êtes là, vous mangez, jeudi vous mangez encore, comme vous avez mangé mardi, samedi et dimanche, ne soyez pas étonné que quand vous reveniez le lundi, qu'on ne vous accueille pas avec toute la chaleur du lundi précédent. Augmentez l'absence pour augmenter la valeur. Augmentez votre absence pour augmenter votre valeur. Augmentez l'absence de ce que vous offrez pour augmenter sa valeur. Les gens ne valorisent pas ce qu'ils ont en abondance. Très difficilement. À moins que vous ayez d'innombrables personnes qui vous apprécient énormément et ce que vous faites est extraordinairement bon. Mais dans la plupart des cas, augmentez votre absence pour augmenter votre valeur, même dans l'amitié. Écoutez, rares sont ces amis qui voudront vous voir chez eux chaque jour. Très rares. Aujourd'hui, les vraies amitiés n'existent pas vraiment. Okay? Les amitiés qu'on appelle amitiés sont très souvent des correspondances, des gens qu'on rencontre dans la vie, qu'on appelle très souvent amis. Des gens que j'appelle des camarades, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles on combat pour les mêmes causes, les personnes qu'on rencontre dans un parti politique, les personnes avec lesquelles on travaille, ils ne sont pas souvent des amis comme on le croit. Ils sont très souvent des camarades. Hein, des gens avec qui on résiste contre le même gouvernement, ils ne sont pas des amis. Ils sont des camarades. Il ne faut pas confondre les choses. Vous y allez chaque jour, répétitivement. Peu à peu, vous commencez à louper le respect que vous aviez précédemment. Même avec votre mari, votre copain, ou si vous n'êtes pas encore marié par exemple. Vous allez chez lui chaque jour, il vous respecte de moins en moins. C'est bien ça la réalité. Ok, ce n'est peut-être pas toujours évident, mais la considération, hein, cette chaleur, cette ampleur qu'il a quand il vous voit pour la première ou la deuxième fois, quand vous venez très rarement, waouh, elle est là, peu à peu disparaît. Parce que tu viens là chaque jour. Quand tu viens, tu vas directement dans la cuisine, faire la vaisselle, nettoyer, laver ses habits. Ça devient normal. Et peu à peu, on s'y attend. Ce n'est plus
quelque chose de spécial. C'est simplement la routine. Augmenter l'absence ou pour augmenter le respect et la considération. L'excès de gentillesse attise le manque de respect. Écoutez, il faut être courtois avec les gens. Il faut être bien. Mais il ne faut pas en faire en excès. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on est gentil. Il faut être bien, il faut être génial. Mais ce n'est pas avec tout le monde qu'il faut être génial. Être génial, c'est aussi dire bonjour, merci, au revoir. Trop de gentillesse diminue votre niveau de respectabilité, votre niveau de présence, votre prestance. Quand vous êtes là, les gens doivent sentir, il y a un homme qui est là. Pas, ah, c'est encore lui. Non. Vous allez à l'hôtel, vous trouvez des gens qui vous disent, bonjour monsieur, bonjour. N'en faites pas de trop. Bonjour, comment ça va? Ah, c'est gentil, comment le boulot? Non. Bonjour, passez. Écoutez, je vais vous dire un truc. On dit l'humilité précède la gloire. C'est vrai. Mais c'est valide en Occident. Et je vais vous dire une vérité qui va vous déranger. L'humilité précède la gloire est un texte écrit pour les Occidentaux. Ce n'est pas valide en Afrique. En Afrique, souvent chez les Noirs en général, quand vous êtes trop humble, ça attise le mépris et le manque de respect. On vous respecte de moins en moins. C'est ça la réalité de notre continent. Les gens ont tendance à respecter ce qui est mystérieux, ce qui est de l'autre côté, ce qu'on ne comprend pas. À partir du moment où on vous comprend, vous faites combien d'argent? Vous habitez où? Vous avez quelle voiture? Qui est votre femme? Vous vous êtes rencontré où? Avec votre mari blanc? Le respect diminue. Soyez gentil, sympathique, mais ne soyez pas excessivement humble. C'est très dangereux. Tout ce que vous donnez en excès perd sa valeur. Attention. En tout cas pour ceux qui ne vous considèrent pas à votre juste valeur. Équilibré. Il y a des moments où il faut dire je suis absent, je ne peux pas sortir aujourd'hui. Pour gagner le respect. Il y a des moments où il faut dire non. Le cadeau là que tu veux m'offrir, pas aujourd'hui. Je suis bien. Tu me l'offriras prochainement. Pour gagner le respect. Je sais que c'est difficile pour vous. Pour beaucoup de femmes noires de nos soeurs. Il faut que je dise parce que voilà. Moi je suis là pour déranger. Je ne suis pas là pour gagner des... Chez beaucoup de femmes noires, dire non à un cadeau est très difficile. C'est très difficile. C'est comme si elles rataient une opportunité de vie. Il faut savoir dire non. Au fait, je vais vous dire un secret. Quand vous dites non à un cadeau, vous savez ce qui se passe? Vous n'avez pas raté. La prochaine fois que je vous offrirai un cadeau ou qu'un homme vous offrira un cadeau, ça sera beaucoup plus grand que le cadeau précédent. Parce qu'en réalité, ça dira peut-être que le cadeau n'était pas adéquat. Peut-être que ça n'était pas à sa juste valeur. Peut-être qu'il me faudrait que je sois encore plus fort. Mais quand vous dites, ah oui, je t'offre un téléphone, ah oui. Vous vous étonnez qu'on vous considère à la hauteur du téléphone qu'on vous a offert. Quand je vous offre un téléphone directement, vous dites oui. Bon, je sais comment estimer ce que vous valez. Bon, en effet, cette vie, elle vaut un téléphone iPhone, ça peut faire marcher les choses. Beaucoup de tout engendre le mépris de cette chose. Retirez-vous quand c'est nécessaire. Soyez absent quand c'est nécessaire. Dites bonjour en souriant aujourd'hui. Demain, dites bonjour, simplement, passez. Dites comment va la famille un jour. Prochainement, dites seulement, vous allez bien, merci. Peu importe à qui vous faites face, que ce soit une personne plus influente, plus riche, une personne plus âgée, apprenez à vous absenter, c'est-à-dire apprenez à créer la distance pour engendrer le respect. Le manque de respect, très souvent, ce n'est pas parce qu'on ne vous considère pas. Dans la plupart de cas, on ne vous considère plus parce que vous êtes trop présent, vous êtes trop là, on vous sent un peu de trop. Et si vous n'avez pas des choses extraordinaires à offrir, vous devenez peu à peu moins qu'ordinaire. Donc, ajustez cela à votre juste valeur. Il y a des moments où on vous offre une opportunité d'argent et vous dites non. Vous dites oui une fois, vous faites très bien votre travail. Okay? La première fois, on vous offre une opportunité, vous dites oui, vous faites très bien votre travail, vous marquez les esprits. La prochaine fois qu'on vous offre, vous dites non, je suis un peu trop occupé, j'ai un autre projet en cours, en train de travailler là-dessus. Merci d'avoir pensé à moi, j'espère qu'on aura l'occasion de travailler encore ensemble très bientôt. Même si vous n'avez rien. Mais bien sûr, il faut avoir de la substance, il faut avoir un peu d'argent pour faire ça. À la prochaine occasion, ce qu'on vous offrira sera beaucoup plus que ça. Parce qu'on sait que vous êtes capable de dire non. Regardez, même la banque, quand vous n'avez rien, elle ne vous offre rien. Quand vous n'avez pas d'argent, vous allez en banque, j'ai besoin d'argent pour commencer un projet. On vous dit, non, malheureusement, il n'y a pas possibilité. Mais à celui qui a de l'argent, on appelle souvent, on envoie des emails. Hein, on envoie des emails. Moi, j'ai même reçu des emails ce matin. On n'a pas besoin de ça, mais on vous envoie. Quand je n'en avais pas, on ne vous dit rien.
Mais quand il y en a, on vous dit, bonjour monsieur, il y a une opportunité ici, est-ce qu'on pourrait vous offrir cela? Vous pouvez rembourser. Je n'ai pas besoin de ça. La banque ne prête qu'à ceux qui n'en ont pas besoin. Ceux qui en ont véritablement besoin ne reçoivent pas vraiment des prêts de la banque. Ça veut dire, quand vous en faites de trop, quand vous demandez de trop, quand vous proposez de trop, la valeur diminue. Demandez de l'aide une fois, on vous aidera. Vous en demandez souvent, on ne vous aide plus. Je me souviens, il y a très longtemps, il y a un monsieur que je respecte beaucoup. À chaque fois que les amis avec qui j'étais, plus âgé que moi, plus fort, plus musclé, le voyaient, c'était dans une boîte de nuit. Il venait, boss, boss, chef, ah bonjour chef, comment ça va chef? Espérant gagner son cœur. Et quand il sortait, il donnait à chacun quelque chose, hein, souvent des 10 dollars. Mais moi, je ne le regardais pas. Je disais simplement bonjour, soyez le bienvenu, fini. Dans sa Lamborghini et tout le bazar, et sa très jolie femme. Avec le temps, il a appris mon nom sans que je ne lui dise. Pendant que tout le monde venait, ah bonjour, moi c'est Julien, moi je ne faisais pas ça. Il a posé la question de savoir, c'est le garçon là qui se... L'autre garçon là, comment il s'appelle? Celui qui s'habille toujours bien là. On lui a dit. Un jour, il est venu vraiment, bonjour Zach, au revoir. Il m'a sorti 100 dollars pendant que tout le monde prenait 10 dollars. J'ai haussé ma considération, mon niveau, tout seul, en m'absentant de sa présence. Ce n'est pas en vous imposant qu'on vous gagne. Vous pensez que c'est en allant chez l'homme chaque jour qu'il va vous aimer. Ça marche quelquefois, mais c'est très dangereux. Gardez la distance. Soyez quelquefois pas disponible pour augmenter le niveau de respect. Vous donnez trop de gentillesse et votre gentillesse perd sa valeur. À force d'être trop gentil, régulièrement, trop présent, on ne remarque plus votre gentillesse. Un peu différent. Comme ça, quand vous êtes gentil, on sent que vous êtes gentil. On remarque la gentillesse. Et des fois, il ne faut pas dire quelque chose. L'excès de « je t'aime, chérie » perd sa valeur. « Je t'aime » est un joker. Quand vous dites « je t'aime », son cœur doit faire « pouah ». « Je t'aime ». Qu'est-ce qui me vaut ce « je t'aime » ? Je ne vous dis pas de ne pas être sympathique, tendre et tout ça. Je vous dis qu'on n'en fait pas de trop. Quand vous en faites de trop, peu importe, même dans le bon, la bonté perd sa valeur. Vous savez pourquoi on apprécie le jour? On apprécie quand il fait beau, quand dans la plupart du temps, il fait moche. Quand vous vivez en Europe, par exemple, le climat change 5, 6, 7 fois par jour et que vous revenez en Afrique, vous appréciez le chaud. Ah, waouh, il fait beau toute l'année. Mais ceux qui vivent en Afrique n'apprécient pas le beau de toute l'année. Soyez gentil, deux fois ne le soyez pas. On ne dit pas d'être insolent, impoli, mais des fois, il faut être glacial. Ça fait partie de la vie. La vie est un jeu. Il faut savoir jouer. Qui peut manger du gâteau du 1er au 30? Personne. Pourtant, le gâteau est très bon. Des fois, on veut du sel. Des fois, on veut le piment. Il faut ajuster. Ça dépend des sociétés. Il y a des endroits où, si vous allez dire... Tout le monde se dit bonjour, c'est normal. Il y a des sociétés où vous vous retrouvez. Je parle pour vous. Quand vous dites trop des bonjours aux gens, on ne vous respecte plus. On vous commence à vous prendre à la légère. Comme si vous les disiez n'importe quoi. Il faut savoir ajuster. Regardez les gens appliquer selon votre société. Regardez comment ça fonctionne chez vous. Il y a des endroits où on ne plaisante pas. Il y a des endroits où on ne plaisante pas avec l'agent de sécurité. Sinon, il va vous manquer de respect. Il va penser que vous êtes copain. Vous vouliez être sympa. Hey, comment ça va à la maison? Lui, comment ça va? Hey, mon cher, comment ça va? Il pense que vous êtes des potes. Attention. Il y a des endroits où on ne plaisante pas avec l'officier de l'hôtel, la personne à la porte. C'est bonjour, monsieur. Bonjour, vous passez. Peu importe son âge, son niveau social, peu importe tout ce qu'il est. Il peut paraître plus vieux que vous. Mais du moment que vous êtes le boss, vous êtes le boss. Pourquoi vous voulez retirer votre chapeau de boss pour accorder une certaine familiarité à deux balles qui ne vous apporte rien du tout? Il y a des endroits où vous partez, on vous appelle chef. Laissez ça comme ça. Grand, laissez ça comme ça. Même s'ils sont plus vieux que vous, il faut laisser ça comme ça. C'est comme ça la vie. La vie est un jeu. Il faut jouer. C'est un jeu d'échecs. Il faut savoir comment jouer, comment ajuster pour votre bien. On ne peut pas toujours être bon, 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 bon. Bon, ça ne marche pas.